Alors, merci beaucoup, Johan, pour m'avoir invité. Bien que ça fait longtemps que j'entends parler du sommet, c'est la première fois que je suis ici. Et voilà, pour moi, c'est un privilège. Je suis très heureux de voir l'Alberta. Merci de vous revoir tous. Voilà. Alors, moi, j'ai mon histoire. Alors, voici, j'ai lu de Passe-et-Loire. On voit le centre-ville de Calgary. Alors, on voit juste tout en haut, il y a un restaurant là, juste à côté du centre. Ça commence par le chiffre. L'année dernière, moi, déjà, on a vu la période 14 dans l'histoire de l'Alberta et des terres. Et puis, c'était une mauvaise époque. Alors, écoutez, on a vu de merveilleuses qualités, puis les pires démonstrations de comportement. Et puis voilà, alors les deux rivières de l'Alberta ici ont dépassé leur crue traditionnelle de 10 fois dans les régions touchées. Il y avait plusieurs cas d'urgence, il y avait 5 milliards de dollars de dégâts, 1,5 milliard entre autres a été couvert par l'assurance. Et alors ici que nous avons vu ce qu'il y avait de pire, Azure, nous avons également ce qu'il y avait de mieux. Deux jours plus tard, Narendra Modi a fait un appel pour que des milliers de candidats viennent au stade faire partie, constituer des brigades pour aider leur. Il y a 6 000 personnes qui sont venues, hein, c'est un petit nombre de personnes, des Calgariens qui sont venus pour aider. Et dans le domaine des arts, nous avons posé la question aux organisations artistiques. Alors voilà, c'est le studio d'une artiste. 1,2 milliard de dollars de dégâts qui ont été donc endommagés, et de revenus, etc. Et même le stock. Et pendant donc la même personne était et donc a subi tous ces dégâts. Alors il y a un programme ici pour la constitution lié à des organisations de tous les pays, de tous les pays pour dire voilà que pouvons-nous faire, comment est-ce que nous pouvons être ressource aux artistes, aux organisations artistiques où l'on peut venir et trouver, et puis comment est-ce qu'on peut les aider. Nous avons donc fixé un montant de 50 millions de dollars ici. Vous voyez ici l'étage ici, et c'est son travail ici, c'est là. Alors, on a entendu ce témoignage. En plus des 50 000 dollars, donc il y a beaucoup de personnes ici qui ont répondu à notre appel. On voit très bien ici la boue, on voit ici la peinture ici qui se détache des toiles. Et alors, on a fait des appels, les gens sont conduits par l'école King Edward. Alors, c'est un incubateur d'art ici qui a été ouvert, pas tout de fermé. Alors voilà ici le travail de Ken ici qui sont donc des tables toiles qui sont asséchées. Il y a beaucoup de musées qui sont venus de l'intérieur du pays pour aider nos artistes et pour les aider à sauver notre travail à l'île de Passe-et-Loire, comme je vous l'ai dit. L'île Prince Edward Island. Alors ici ce que l'on voit ici, c'est la salle, l'atelier. Alors, il y a 50 000 dollars qui ont été perdus à cause des pertes ou des dommages infligés aux costumes, etc. Le Festival du film de l'Île-de-Passe-et-Loire, c'était ouvert juste avant l'inondation. Et tous les endroits ont été ateliers, tous les artistes ici qui ont été déjà à la Calgary sont allés dans les maisons et dans toutes les installations pour jouer une voix. Dans ces maisons où ils ont réuni plusieurs centaines de personnes. Alors voici une église la journée de l'inondation, 45 minutes après avoir mis un poster, nous avons besoin d'aide. Il y a des dizaines de personnes qui sont venues pour aider pour venir à la rescousse. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus d'abri, etc. Deux semaines après, c'est deux semaines qu'il y avait un cirque social. Pour les personnes ici qui ont été touchées par l'inondation, alors elles savaient qu'il fallait qu'elles s'expriment, qu'elles se réunissent, et pour surmonter le traumatisme qu'elles avaient rencontré. Et voilà, le mois suivant, et voilà, dans leur nouvelle résidence en partenariat avec deux autres organisations artistiques, et l'équipement qu'ils ont pu remplacer ou emprunter, ou qu'ils ont reçu tout simplement. Alors, voilà.
Alors on commence, on se rend compte ici que tout ce travail d'aide est arrivé, donc a bien réussi. Alors il y a un artiste qui a dit qu'elle a, que le projet du maire, c'est une façon de retourner à la communauté, d'honorer le duché perpétuel que nous avons reçu pendant une période extrêmement difficile. Alors que je l'ai aidé à rentrer chez eux, je voulais faire davantage pour réunir les fonds. Il y a beaucoup trop de personnes qui avaient tellement perdu. Je crois qu'ils nous accompagnent de faire tout ce que nous pouvons pour aider, pour les aider en période de crise. Alors j'avais ce portrait du maire et de cette image de notre histoire. Je l'ai mis sur les t-shirts, j'en ai vendu des milliers en une semaine. J'espère que ça peut être un rappel du rôle important de notre, de l'art ici, et notre cœur dans cette magnifique Calgary. J'ai toujours époustouflé par le travail fait par Calgary. Il y a d'autres artistes qui ont créé des chefs-d'œuvre spécifiques pour des ventes, ici pour aider les victimes. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont offert leur temps à des temps ici dans des campagnes de fonds. Et il y a des millions de dollars ici qui ont été collectés. Ils ont contribué par exemple à la Croix-Rouge, qui a réuni 40 000 dollars ici pour les efforts. Et puis la Calgary Salvation également. Et puis voilà, donc il y en a d'autres aussi qui ont donné des milliers de dollars ici pour revenir à leur mal. Alors c'est ainsi que, voilà, voilà la photo de Calgary de Calgary sont présentées. Il y a beaucoup d'événements culturels qui ont lieu sur l'île Prince Island. Alors on peut dire que c'est le grand égalisateur, il n'y a pas de distinction entre les artistes et les non-artistes, entre les amateurs et les professionnels. Alors, c'est simplement notre ville et nous, et on est tous des voisins. Nous avons utilisé tous les talents possibles, imaginables, toutes les passions, et pour essayer de contribuer au succès de ces efforts. Merci beaucoup.